Bonjour, bienvenue dans Un jour, un conseil. L'objectif aujourd'hui, c'est de découvrir pourquoi et comment créer un support augmenté. Donc, un support augmenté, c'est un support de base, par exemple ici un poème, sur lequel on va pouvoir rajouter de l'interactivité, des images par exemple, pour élucider le lexique, mais aussi de l'audio, des jeux, etc. Donc, tout ça sur un même support. Ici, on a un autre exemple, il s'agit d'une peinture. Et on va pouvoir rajouter des images pour que ce soit plus simple pour les élèves pour comprendre de quoi il s'agit. Ici, nous avons une carte du Pérou et on peut rajouter donc tout support dessus, donc audio, vidéo, etc. Comment ça se présente? Donc sur Geniali, on va faire créer une image interactive. On va choisir son fond de carte. Par exemple, ça peut être un tableau, une carte, ici une peinture. On va recadrer le support, accepter, et c'est bon, nous allons avoir notre fond de carte. Ensuite, on va pouvoir rajouter donc l'interactivité en cliquant sur éléments interactifs. On va choisir un symbole, par exemple ici le i de information, et on va par exemple ici copier-coller la définition de ce que sont que las tapas. Donc, on va copier, revenir sur notre carte, cliquer sur le i, le petit doigt, étiquette, et coller notre texte. Voilà. Donc déjà, dans un support augmenté, on va pouvoir rajouter du texte, mais aussi de la vidéo, en copiant-collant, par exemple, le lien. Voilà, on va insérer une vidéo. On peut rajouter aussi des images ou tout code d'intégration. Maintenant, nous allons rajouter une image. Donc nous allons tout d'abord glisser un symbole pour créer une interactivité. Maintenant, nous allons écrire dans un moteur de recherche, par exemple, Ramon Serrano, image. Et on veillera bien sûr à prendre une image libre de droit. On va enregistrer sous notre image pour pouvoir l'insérer dans notre support. Voilà, donc là, on va cliquer toujours sur le petit doigt, étiquette, on va déposer notre image et nous avons notre support augmenté ici avec de l'audio, du texte et des images. Voilà, donc notre Geniali est prêt à être partagé, on peut prévisualiser et on voit bien tout ce qu'on a rajouté en passant tout simplement la souris dessus. Voilà pour les supports augmentés. Merci.